Plapatou, c'est Livia, on se retrouve pour la suite. Donc, on s'était quitté, on avait fait les trois premières quêtes, on avait associé le personnage. Donc ici, on voit bien que notre lien est avec le petit personnage 14 que j'avais monté un petit peu avant, que je vais finir de monter. Voilà, et donc du coup, nous on y va, on va faire la suite des quêtes. Sans perdre un temps fou. Donc là, il faudra choisir, on va prendre la vie. Hein. On est parti. Et il faut faire quoi? 20 des groupes d'Ifrit. Il en faut 15. Ok, comment ça marche? Ça, c'est l'arbalète. Okay, les gens sont déjà. Il y en a qui rushent. Ils sont sur leur monture carrément, quoi. Comme d'habitude. On n'a pas l'intérêt. Je suis à 6. Ouais, il y a du monde, hein. Ça glisse un peu beaucoup, hein, ce perso. Hein. Il fait des glissades dans tous les sens. Hein. Ok, on a un nouveau sort. Plus que 5. Vraiment, il va falloir apprendre les sorts parce que je n'ai pas pris le sort non plus de mon main. Hein, donc, on va y aller. Voilà. Ça glisse beaucoup, hein. Il aime bien glisser, hein. Donc bien évidemment, la suite des quêtes, on est déjà niveau 10. Alors, et on va voir de temps en temps, je vous regarderai de temps en temps si vraiment la sorcière up en même temps. On reparle à Jarrett. Et donc du coup, oh, j'ouvre pas le cadeau hein, qu'on a eu, comme je vous disais, de pré-création, parce que aucun intérêt. Pour le moment, ça va me mettre de la crotte dans l'inventaire. Même si on a des emplacements de 8 slots, je pense pas que j'en aurai besoin sur ce perso. Je vais voir si c'est lié ou pas. Donc on va en profiter pour regarder un petit peu les sorts. Mage plus gauche, ça c'est sort en éveillé. F, arrière F, c'est tout ce qu'on a. Ok. Et après on a bien sûr le clic gauche. Et ça c'est quoi? C'est le C, bon c'est pour l'arme. Et ça c'est le clic droit en selle. Ok. Ok. On continue les quêtes. La route de l'approvisionnement isolée. Bah là, il faudra tuer des loups, tout simplement. Bon, il y a du monde, hein. On va essayer de choper des loups, hein.
Ok, c'est à Deschamps-Loup. Moi, je peux cliquer gauche. Ok. Sympa, ça a l'air sympa. Ouais, c'est sympa, hein. Ça a l'air cool. Ouais, moi j'aime bien passer par ça pour valider les quêtes. Plus comme ça me permet de me voir ce que ça donne. Là, je regrouperai les 5 quêtes, 7 quêtes. Je vais essayer de faire un truc où on en est un peu plus ensemble. Excusez-moi. Ok, ça marche pas. Hop. Là, il nous a donné une arme et l'esprit veut nous parler. Écoute bien, tu entends ces bruits autour de toi, il y a un tas de petits esprits des arbres maléfiques dans les parages. Je pense que le bruit vient des esprits des arbres dont le quartier maître a peur. Je pense que tu hésites, ne me dis pas que tu as peur. Ne t'en fais pas, ces créatures sont aussi petites que moi, ce sera facile de les éliminer, hein? Oh, je n'ai pas toujours fait cette taille. J'étais bien plus puissant avant. Ok. Donc, on a les nouvelles armes. On va se mettre une petite armure de crotte là qu'on a. Tout simplement, c'est pas trop mal. Bon, l'arme éveillée, par contre, on n'a pas d'autre grand-chose. Oui, ils ont peut-être pas prévu. Donc, du coup, faut aller tuer. Je sais pas si j'ai nourri mes pets, c'est ça aussi. Ça fait bizarre d'avoir un perso avec l'arme éveillée d'entrée. Ça a l'air moins puissant que ça, hein, d'ailleurs. Que l'arbalète, hein. Ah, par contre, ça switch, je fais une combinaison. Je sais même pas ce que j'ai fait, ça switch. Hein. On va essayer de monter pour essayer de choper des bestioles. Il y a vraiment, c'est vraiment horrible, il y a trop de monde. J'aurais dû faire ça un autre jour, je pense, qu'à la sortie là. Écoutez, on va garder les sceaux, je vais pas les dépenser. On va essayer de faire le concours pour avoir le PC. Hein. Je farmerai jamais assez, ça c'est sûr. On sait jamais. Il neige. Ça a l'air lent, hein, quand même. Hein. L'arc, le grand arc, il m'a l'air assez lent. On va s'équiper de la ceinture. Donc il nous manque des gros esprits.
Bon, j'ai appris une compétence. Il me manque deux des gros. Voilà. Regardez-moi cette tête magnifique que je lui ai fait. Regardez, regardez. Là, vous pouvez pas rivaliser, il est magnifique. Je pense qu'il y a un moyen de passer par là. On s'en fout des barricades. Hop, elle nous donne un lingot d'un million. Une petite armure. Ouais, bon bah ça du coup. C'est quoi qu'ils nous ont donné? Une milice? Milice? Attends bien, on va se jeter, on va jeter un petit coup d'œil au marché le temps qui court là, le perso. Je voudrais juste voir. Il y a déjà eu des Xerka, des. Pouah. Kuchum. What? Des peines? C'est sorti à 16h. Bizarre, bizarre l'arc. Hein. Voilà, c'est les mêmes quêtes qu'avant, hein, c'est juste que ça a été légèrement modifié. Il nous restera 14 quêtes. Ça fait beaucoup quand même, 23 hein, à faire. J'avais pas pensé à ça. C'est que c'est quand même assez long vu que j'ai pas d'armes adéquates. On verra. Pour le prochain truc, je m'améliorerai le truc. Je ferai des armes un peu plus haut level.
Donc là, c'est comme avant, c'est exactement la même quête. Je les lis pas, hein, on va pas s'embêter. Du coup, on va quand même mettre l'armure. On va mettre ça. Ça, c'est lié au personnage, donc on est obligé de les utiliser. Mince. On a une cape. Regardez comme on est beau. Magnifique, on a une cape. Bon, elles ont un peu modifié les quêtes parce que c'est léger, hein, mais bon, après, je suis pas là pour vous raconter toute l'histoire. Moi, c'est surtout la deuxième partie qui m'intéresse. Bye, prochaine vidéo, là, va être un peu longue, je suis désolé. Bon courage à vous si vous la regardez jusqu'au bout. Mais pour les prochaines quêtes, je pense que je prendrai la monture, une monture déjà, un peu plus de... Donc là, on va expliquer la situation à Jarrett. C'est pas elle. C'est pas la bonne quête, ça. Voilà. Donc là, on lui dit les rouges, les effrites, tout ça. On lui parle. On lui a expliqué la situation. Et donc, du coup, hop. Rapport à la salle de pierre. Ils sont sérieux? Ah, salut. Terminé. Qu'est-ce qu'il veut? Le vétéran aguerri. L'esprit qui veut faire Cosette. Special gift, Travelly, le. Ouais, c'est un peu en anglais. On a un value pack de un jour. Magnifique. J'espère qu'on est heureux. Ah, le 2. 7 jours, 8 jours au total. C'est pas mal. C'est mieux. Donc, parlez à Cliff, le capitaine de la garde. Et par contre, poussez-vous les gens. Donc Cliff, il est juste à côté. C'est le gros monsieur, le grand monsieur là, avec une belle armure qui brille. R, l'attaque des Efrites. Et donc du coup, hop, bon, ça avance un peu plus vite que prévu. Donc là, il faut tuer 15 effrites. Comme ça, encore blindé de monde, non? Vous inquiétez pas, je vais pour les prochaines quêtes, on aura un autre stuff. Hein, on va, je vais pas faire comme ça parce que sinon, à chaque fois, au bout d'un moment, je vais mettre un peu de temps à faire les quêtes. Hein. Donc c'est bon, on a fini la quête. Je suis vraiment désolé pour la longueur, hein. C'était pas prévu, je pensais que ça irait un peu plus vite en fait. J'avais oublié qu'au début on a vraiment un stuff de crotte. Bon par contre je suis désolé, hein. Pour les gens qui verront ça, je jette
Les petits trucs. Voilà, on a tué tout, on a nettoyé la zone. Et là, il veut quoi? Il faut en tuer 20 maintenant. Ça va, c'est juste à côté. Ouais, on va rester de ce côté-là. Il y a vraiment, en fait, vraiment juste horrible, il y a trop de monde. Il n'y a plus que 4. Ah, plus que 3. Oh, mais il y en a plein là, je suis bête. Hop, ça l'explique en rang. Il est content. Il va nous redonner une quête. Donc, bien entendu, n'hésitez pas, vous avez toujours les. Il fallait la forteresse des Zéphrites. Là, on a le Value Pack d'un jour. On va pas l'activer, ça sert à rien pour le moment. Je n'ai pas l'utilité. Ouais, si c'est bon coup. L'esprit nous parle. Donc qu'est-ce qu'il nous donne l'esprit? Une petite boucle d'oreille. On va la porter, hein. Bon, ça par contre, milicien, ça dégage. Principal. J'ai voulu me mettre là. Oh, ça y a eu un freeze.
Ouais, c'est un... ils ont un petit peu modifié, mais ça reste à peu près identique. Il faut aller à l'hôtel de Nez Rouge en fait, hein, en gros. Du coup, il y a un truc que moi j'aurais voulu voir. Parce que du coup, les autres classes, c'est comment? Pour l'armée veillée, est-ce que c'est aussi au... Bizarre. Partir du 56. Alors ici, il faut tuer 50. Avec le monde, on va mettre trois plombes. On va descendre par là. Il n'y a pas l'air d'avoir de monde par là. J'utilise l'arme éveillée, je peux utiliser encore l'arbalète, on verra. On verra. Pour l'instant, le grand arc, moi, de ça me botte bien. Enfin, une classe complètement distance. Encore 20. Bon, là, je sais pas au petit, hein. Faut vraiment que la prochaine fois que j'ai plus de stuff, hein. Ça aurait dû déjà être fini, ça, normalement. Une bonne portée quand même. Bon, il faut continuer à en buter.
Bon, ça on voit bien, ça on voit bien, franchement ça on voit bien. J'ai hâte de que mes armes soient montées. Splendide. C'est tout simplement splendide. Faut que je trouve les magots pour récupérer leur bâton. Voilà, c'est bon. Normalement, c'est l'esprit qui nous donne la suite. On va l'aider, il va nous redonner la suite. Et normalement, on a bientôt fini les quêtes, donc ça va être. Après, on va tuer le boss Nez Rouge. Petit port chaud d'invocation, vite fait, bien fait. Et on aura fini la vidéo pour aujourd'hui. Mon 33 minutes, c'est un peu. Après, là, je suis à 33 mi 30 minutes, c'est un peu long, je vous l'accorde. Ça ira beaucoup plus vite la prochaine fois. Hein. Les 23, les prochaines 23, là, on devrait aller beaucoup plus vite. Et le stuff, je vais augmenter le stuff. Je vais le stuffer. Hein. Il sera peut-être pas en full tri, mais il sera en duo pour lesquels ça suffira largement. Donc là, il va nous dire de tuer le boss Nez Rouge. On a reçu le pare-chaud qui est dans notre inventaire. Donc là, on va tout simplement à l'hôtel et on l'invoque et on le bute et on est tranquille. Donc on va déjà se faire. On l'invoque. Ah, je vous laisse l'invocation. Bon, sans les armes montées, ça va être un peu long. On a des gardes qui sont venus nous aider. Ça va, ils sont sympas. Il y a des compétences qui ressemblent à l'archère quand on fait l'arrière là comme ça là où elle se met à genoux. Ça ressemble un peu à la ranger. Voilà. Donc du coup, haut. Là on va valider la quête, tout simplement. Terminé. Je prends la suite, hein. C'est pour la prochaine fois.
Voilà, et 23 autres quêtes. Donc on se retrouve très bientôt. Moi, je vais faire une petite pause, tout simplement pour aller monter les armes, tout ça. Parce que là, c'est pas joué, c'est pas gérable. C'est un peu long. Donc moi, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner pour suivre la story. Parce que, comme vous pouvez le voir, hein, on a de la quête. Hein. Je vais toutes les faire avec l'archer jusqu'à Dragan 2. Donc voilà, ça sera la story totale. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Et puis si ça vous intéresse, pouce bleu et abonnez-vous. Ça vous permettra de savoir quand est-ce que la vidéo sort. Je vais essayer de la faire une tous les 2 jours. C'est pas garanti. Mais je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Bye bye.